C'est un projet qui a été mis en place par M. Diangale et qui est destiné à promouvoir la créativité des élèves qui sont au niveau des lycées. Maintenant, ce projet M. Diangale consiste à la fin de cette formation, on essaie d'inculquer aux élèves des notions de création de sites web simples avec HTML. Par exemple, le premier jour consiste à apprendre un peu les bases, les notions du web, les notions d'un site HTML et les différents navigateurs qui existent. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux élèves, à la fin de la formation, de pouvoir mettre en place leur projet. Un projet qui est orienté vers le domaine de la santé. Donc, à ce niveau, on essaie de leur donner le maximum d'idées possibles, le maximum d'outils possibles, afin qu'ils puissent mettre en place leur propre site web. J'étais venu ici pour partager avec mes jeunes frères et sœurs sur invitation de mon ami et frère Babacar Diop de M. Diangale qui fait un travail remarquable dans le domaine de l'éducation, notamment lié au numérique. Donc Karangé, c'est un petit peu un système de rappel des rendez-vous médicaux pour les femmes enceintes, mais aussi celles qui viennent d'accoucher pour la vaccination de leurs enfants. Donc je salue cette initiative de Seine Mobile qui vise un petit peu à initier les jeunes, notamment ceux qui sont au collège, sur le développement d'applications dans le domaine de la e-santé. J'avoue que c'est un besoin réel parce qu'il y a pas mal de projets sur lesquels actuellement l'État travaille, mais aussi dans le cadre du plan Sénégal numérique 2025, il y a pas mal d'initiatives que les jeunes peuvent prendre dans le domaine de la santé pour développer des applications au service de la population. Aujourd'hui, je suis venu donc, présenter aux élèves en fait, donc, mon parcours en tant qu'entrepreneur et surtout en fait, donc, la solution de Diocosanté pour leur dire ce que c'est et comment ça marche. Et donc, je pense que ça a été disons, un moment très intéressant. Donc, on a beaucoup échangé donc, avec les jeunes et ce que j'espère, c'est que ça va leur permettre de pouvoir avoir d'autres idées. Donc pour pouvoir développer en fait, donc, des solutions dans le domaine de la e-santé et de la m-santé. Donc je pense que ça c'est une excellente initiative donc, de pouvoir donc, intéresser les jeunes donc, au développement donc, mobile déjà, dès le plus bas âge, et surtout de les sensibiliser disons, donc, aux problématiques qui sont vécues dans nos pays. Mon équipe est composée de 4 personnes. Et nous travaillons sur un site qui s'appelle Seine Santé. Ce site consistera à aider les femmes enceintes à les donner des conseils et à sensibiliser l'État pour fournir des matériels aux hôpitaux pour que les accouchements se déroulent très bien. Mon groupe est composé de 5 personnes. On a créé ce projet pour sensibiliser la population sénégalaise sur la prise des médicaments sans ordonnance, sur la vaccination des enfants et sur la malnutrition. Et nous voulons sensibiliser cette population pour qu'ils prennent conscience qu'ils font certaines choses qu'on ne doit pas faire. Et bon, on est en train de créer un site web sur ça pour sensibiliser la population sénégalaise. Mon équipe est là, c'est 4 personnes. Aujourd'hui, on travaille sur un site qui s'appelle Sénéhealth. C'est un site de consultation en ligne. Il y a un guide, il y a mon carnet sanitaire, Karangé, Diocosanté, ministère de la Santé. On peut aussi trouver notre page Facebook. Il y a aussi notre slogan, la santé au cœur de la révolution numérique. Donc c'est un site qui permet à la fois de se consulter en ligne, mais aussi un site qui sert de guide. Comme par exemple pour trouver des hôpitaux ou bien pour trouver des pharmacies qui sont dans les quartiers. Quoi. Notre groupe est composé de 5 membres et on travaille sur la santé des écoles. On a créé un site qui s'appelle Samralei et il permet aux infirmiers des écoles de gérer la santé des élèves et de contrôler leurs états.
voici les composantes de mon équipe. On travaille sur un site de santé qui se nomme SOS Enfants parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup la recrudescence des maladies infantiles liées principalement par les maladies infantiles. C'est là qu'intervient notre site pour sensibiliser les enfants et les parents et éventuellement se procurer des dons pour aider les plus démunis afin de diminuer sensiblement les causes des maladies. Notre groupe est constitué de 4 membres. Le thème, c'est la tuberculose, parce que la tuberculose est un mal qui fait des ravages dans notre société au Sénégal. Et pourtant, il peut être traité, mais à cause de l'ignorance des gens, cela n'est pas fait. Alors notre site consistera à donner les symptômes, les affections et les solutions, ainsi que la manière de la transmission des bactéries qui sont responsables de ce mal, et aussi comment se guérir. C'est vraiment un challenge parce qu'en 2 jours, on me dit en 2 jours, on ne peut pas faire vraiment grand chose. Mais là, ils ont réussi. Pour vous dire que les enfants sont intelligents, il faut les booster à créer du contenu et ne pas toujours être consommateur. Ça, c'est important. Donc, c'est pour cela que le Goethe Institute organise ce genre de formation en collaboration avec les Jardins. On avait gagné le concours. On était vraiment, vraiment très contents parce que ça fait plaisir de voir son projet être primé. Et ça a beaucoup d'importance pour moi personnellement et je suppose que pour nous tous. Et on a de l'ambition encore et on a envie de continuer et de continuer ce site, de le concevoir pour de bon et de le lancer et d'atteindre notre objectif qui est de faire avancer notre pays. Nous sommes au Goethe Institute dans le cadre d'une formation de développement des sites web dans le domaine de la santé où nous avons réuni 30 élèves pendant 3 jours pour leur former à l'utilisation de nouvelles technologies dans le bon sens. Donc pendant ces 3 jours-là, nous avons formé les enfants à développer des sites web en utilisant beaucoup de choses, en utilisant HTML, Notepad, Faizila pour tester leur site. Et à la fin de cet atelier de restitution que nous avons fait tout à l'heure, les enfants ont présenté divers projets très intéressants. Donc pour vous dire, l'objectif de la formation est de créer des créateurs de technologie au lieu de consommateurs de technologie. Donc pour finir, je remercie le Goethe Institute pour cette collaboration et pour vous dire encore que peut-être le futur Bill Gates sera africain. Merci.